chaque fois qu'il leur manque 3 francs 6 sous pour terminer le mois, c'est sur les crédits des collectivités locales qu'ils en prennent une bonne partie. C'est une mauvaise manière qu'on a subie depuis déjà de nombreuses années. On nous disait que les temps avaient changé. Je constate malheureusement que les temps restent les mêmes et que c'est toujours les mêmes manœuvres de la part du ministère des Finances. Et pourtant, en nombre, vous, élus locaux, vous êtes importants, conséquents. Est-ce que vous avez des moyens aujourd'hui de vous opposer ? Bah, écoutez, nous avons déjà protesté dès le 25 juillet, dès qu'on a connu ce décret, en tant qu'Association des maires de France, et nous avons fait savoir notre total désaccord, et nous avons demandé que ce décret soit revu. Nous verrons s'il y a une suite à nos demandes. S'il n'y en a pas, bah, nous serons amenés, dans les mois qui viennent, à dire ce que nous en pensons au quotidien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que département par département, nous allons faire l'inventaire des projets qui n'ont pas pu se réaliser, prendre à témoin la population. Vous savez, les projets des petites communes ou des petites villes, ce sont des projets qui sont 9 fois sur 10 attendus par une immense majorité de la population. Et donc leur dire, bah, désolé, mais le nouveau gymnase qui devait être aménagé ne pourra pas l'être. Désolé, les nouveaux lits qu'on voulait créer pour la petite enfance, on ne pourra pas les mettre en œuvre. Désolé. On voulait faire des économies d'énergie et investir dans les économies, on ne pourra pas le faire. Je veux dire, c'est ça, c'est du concret, c'est de la vie quotidienne.